gardez bien pour eux. L'amour Jovenel fait tout le monde mal, l'amour Jovenel choque tout le monde, mais gardez bien pour eux, il n'y a pas dérangé personne. Les carottes sont cuites. C'est ça, en pile, le monde t'a comprendre. Mm-hmm. C'est ça, où t'a remis dit. Mais, moi-même, t'a remis exposé à la nation, en hein, réalité. Puisque, moi réalisé que, gagner, dans le cas que nous disons là, aujourd'hui, a plus de mal que de peur. Mm-hmm. Puisque, moi, pas refléter dans le visage moun kap viv en Haïti, ni acteur politique yo, ni population, autant d'inquiétude que de mal que moi-même moi constaté qui gagne jodi a. Et m'a commencé par expliquer un bagay. Li gen des thèmes que ouais yo utilisé dans la société haïtienne noire qui en pile moun pas prête attention à yo, par exemple colonne qui bat. Très bien. Donc, ouais, situation, ça, je dis à là, son situation de colonne qui bat. Donc, si son situation de colonne qui bat, qui côté mot colonne n'a sorti? Il sorti dans mot colon. C'est féminin colon. Qui ça qu'on colon? C'est ça, yo, poil la donne. Et je dis à, ça permet que je vienne comprendre clair que Haïti gagne deux lots de monde. Yon lot de colon et de colonisé à qui? Et on l'eau de Bossal. Donc, moi, je retrouve dans l'eau de Bossal à revendiquer yon bagay qui crée, qui a un rapport avec l'idéal de s'aligner, bâtir une société sur des valeurs justes et équitables, et le long des colons et des colonisés acquis qui constituaient par les étrangers, la communauté internationale et leurs employés. Et nous arrivons aujourd'hui à un carrefour pour que la nation comprenne que c'est bien que Negio arrive à mettre en gouvernement, monter en gouvernement et prendre contrôle total de situation sans tenir compte de qui s'acte opposition ou bien qui s'acte pouvoir. Parce que tous deux ont le même patron. Ils travaillent pour les colons. Donc ils sont des colonisés à qui on doit faire attention. Maintenant, quel est l'interlocuteur dans tout ça pour le peuple haïtien? Est-ce qu'on cachita pour dire ou pour avoir un gouvernement ça pour voir discuter avec l'international pour le peuple haïtien pendant que le gouvernement ça installé, nommé, dirigé par l'international lui-même? Donc, c'est une belle occasion que la nation a gagné pour capable de dire bravo, nous arrangez-nous, nous regroupez-nous, nous organisez-nous. Et maintenant, les vraies négociations vont commencer. C'est le moment de constituer un panel de collectivités nationales pouvant faire face à cette réalité exécrable pour permettre que nous rentrions dans les vraies négociations pour doter le pays de pouvoir réel, pour que nous avancions avec le pays de nos héros. Donc, il y a pile bagaille Cabral Vini. Par exemple, ces genres d'élections néocolonialistes qui toujours là pour retirer attention sur les vrais enjeux de la souveraineté nationale. Tout le monde a couru avec une approche électorale, avec une approche électoraliste. Tout le monde a pris le même piège que habitué à prendre depuis que Blanc a fait stratégie. Parce que l'IPA doit rentrer dans une logique de sitôt avec élection, parce que c'est la seule façon que nous gagnons comme peuple pour nous rapatrier pouvoir nous. Si nous avons une nomination de colon, nous avons toujours joué un groupe Mounsayo, puisque au restaurant des colons, on ne sert au menu, il n'a que le sang du peuple haïtien. Donc si dans le restaurant de Mounsayo a mangé, seul ça qui est offert dans le menu, c'est sang du peuple haïtien. Donc, quand tu es passé par opposition au pouvoir en place, quand tu es passé par. Et même, c'est ça que je ne fais pas courir sous parole justice pour Jovenel Moïse, parce qu'il y a tout un travail pour un même patron. Et
Il y a des phrases pour tenir compte de lui. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Ça qui est important pour comprendre nos phrases, ce n'est pas quand on veut tuer un chien quelconque. Puisque, ou t'as qu'à jouer dans l'autre proverbe qui dit, bat chien, tant de mètres. Tant de mètres lui. Puisque, si mon chien quelconque, ça va qu'à mettre dans une situation pour tant de mètres lui. Et dans le cas ça, le mètre lui, t'as pas le préparer chien. Gardez bien pour eux. L'amour Jovenel fait tout le monde mal. L'amour Jovenel choque tout le monde. Mais gardez bien pour eux. Il n'a pas dérangé personne. Parce que le lendemain même, son premier ministre te dit que tout est sous contrôle. Et Jodia, nous avons prouvé que tout est sous contrôle. Gardez qui j'en sorti avec bravo en dedans, il y a un ministère que l'État a dirigé. Pour qui est-ce que l'État a dirigé le ministère ça? Que pour des colons. Cela veut dire qu'il faisait le travail de son patron. Et maintenant, on a préparé pour lui une sortie de scène triomphale. Mais si nous pas de monde qui a regardé ça, et puis qui a dit, ah, le type, il a défendu, là, moi-même, je n'ai pas des yeux Jacques Sauveur dans la tête, moi, et puis pour m'a regardé le monde, ça, avec des yeux de profane. Et on a dit, ce n'est pas seulement pour Dr. Claude qu'on a préparé de sortie triomphale. Allons voir. L'ancien chef de la police, Léon Charles, il aurait tiré le poste comme chef de la police qui a fait ça, qui a fait là, là, dans la sécurité. Et on met ça l'ambassadeur à l'OEA. C'est-à-dire qu'il est récompensé pour le travail qu'il a fait. Ouais. Que le, quel travail qu'il a fait, que le président est mort là, sous ses yeux. Et ensuite, le docteur Claude aussi a applaudi pour avoir fait un si bon travail. Et c'est le cas aussi pour Mme Sisson. Exactement. Gardez des chocs diplomatiques aigus qui déclenchaient sous nation à la dernière minute, qui mettaient des citoyens en bâtir dominicain à pilonner, à humilier des bagailles qui ne doivent pas faire qu'on y a, pour quelle que soit raison, mais qui provoquaient pour permettre que vous menez nous là. Gardez encore, la capitale est coupée de nos villes de province à chaque fois qu'on reçoit des ordres de l'international pour dire. Écoutez donc, on va commencer par tirer, tuer, assassiner et kidnapper puisque la capitale est assiégée. Mais encore, c'est sous l'ordre de cette communauté internationale. Même les bandes armées que vous voyez en Haïti, ils travaillent, ils ont un patron. Parce qu'au fond, regardez bien pour eux. Si l'ambassade l'a dit, il va le faire gaz, pas qu'on coupe physique pour tirer. Ouais. Mais maintenant, si le président de territoire ça recevoir l'ordre pour y partir on peut pas laisser faire pour que le gouvernement puisse s'organiser et prendre contrôle total de la situation pas qu'on peut pas tirer mais maintenant si on besoin fait y a un cabouillage pour gaz pour créer une panique parce que nous avons gros problème en Haïti que nous devons souligner encore Louko pas jamais gros problème qui paraît en Haïti qui rejoint une solution sont l'autre problème qui vient remplacer un plus gros problème, ainsi de suite. Donc, c'est crise après crise pour mener nous qui bat à la soumission totale jusqu'à joindre cadavre nous dans la rue pour que le colon et les colonisés puissent prendre contrôle total de la situation. Ok. Et quel est le rôle de l'haïtien dans tout ça? Ceux, leurs grands-parents ont été avertis. Ceux qui viennent tout juste de commémorer le 218e anniversaire de la bataille de Vertières, qui, les petits-fils de ces héros, qu'est-ce qu'ils ont à dire dans tout ça? Moi-même, m'a prononcé un mot très fort là. Je me livre en aveugle au destin qui m'entraîne, et ceux qui veulent mourir en homme libre s'arrangent autour de moi. Je suis et je serai toujours contre ces genres de manœuvres.